Au capi de la mode, ah, tu sais pas pas là. Voilà, un mot, Ndingo Latissi, bijou, la reine, tout le monde est vraiment splendide. Inspiration, Anna. Pourquoi ça bisou? Oui, classe, oui, mais bon. Bon, on récite, on est à la duane. Bon, récite, c'est à la ranaloba, toujours, et ali, kolingam salana. Au moni, Zidane, Kotonga, nous disons surtout, et ça, t'es à don. Mais pour la cosa la moussala, il faut s'en s'appeler dans le bar. Toujours maïe, les temps, ma pécio, bakisa les sous maïe, bakisa peut-être ma prière, au moins ensemble, on va inspirer. Alors, inspiration dans la mingue ou taka, au moins la moutonetti, quand elle a par rapport à la taille. Donc, il s'attaque le quoi, ma bijou à Zawana, la cause à taille à bijou, n'a par exemple taille à princesse, ou taille à Barcelone. Ce n'a pas de problème à différencier par rapport à la taille. Il y a quand même taille à mouton aux autres. À partir d'ailleurs, au tel le connu n'est qu'elle est la forme n'aille. Raison pour laquelle Natala qui bijou n'a vu bijou ça n'a qui tout. Parce que mon aîné mais qui tout. Alors on a mon aîné n'est n'a pas eu qu'au travailler n'a pas dit la dessiner n'a vu ici modèle loin là. Au capé de la mode. Vraiment robe de mon aîné récite. Entendant tout mon papa côté vraiment parce que c'est une minute. Ok. Tu y amba le mari. Oh bon mon aîné tout ça la télé comprenez. Félicitations papa Eric. Félicitations. Félicitations papa. Félicitations vraiment. Bella bijou la reine Yewana, Eric Baba la Suisse, Yewana Longoli Sony, Zambalo la Lingara Bongo, Likona C et Fumwami. Donc bijou la reine mobile na Yewana. Papa Eric Koko Kota moi boye. Ouais, voilà. Oui. Vive le marié. Voilà. Bijou la reine à Longi nae. Bijou la reine à Longi. Papa Eric. Moi, je suis un peu félicitations à vous. Un mot pour la biso, pour la biso, ma comédienne. Bon. On a des sous-estimations, mais il y a quand même au moins quelques abassis et au on est dans la balle, on dit, Moussala n'est pas Moussala. Moutou, oh, bah, tu bosses, quoi, bien au bout de la comédie, vous aussi qui s'abattent, on a besoin de la battre malade, ou besoin de la battre bestre. Bon, bah, tu peux battre, qui est dans la bataille, bah, oui, c'est si, quoi, on a toujours le bon avant. Donc, on a la monnaie Moussala n'est pas Moussala, donc, on a la monnaie à ma bête pour la banane à notre balle. Merci papa, moi tout le monde est là, c'est la marraine, elle est là. Bah moi ils allent Karine pas là, Karine pas à zoo les cas pour nous bon ça. Bijou la reine, William Gobo, ça te coule ça Karine, à ça Moussala parce que on court derrière le temps. Voilà. Monsieur Eric, s'il vous plaît, maquillez le micro exact. Mademoiselle Bijou la reine. La loi nous oblige, avant de pouvoir recevoir vos consentements, que nous puissions vous instruire sur quelques articles du Code de la famille. Ce livre ici en rapport avec le mariage. Ce livre contient plus de 500 articles. Mais spécialement pour vous, nous avons choisi trois articles très importants. Le premier article, c'est l'article qui donne la définition du mariage, la signification de ce que nous allons faire tout à l'heure. C'est l'article 330, Code de la famille. Cet article dit ceci. Le mariage civil, c'est un acte civil, public et solennel, par lequel un homme et une femme, qui ne sont ni l'un ni l'autre, engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Le dé établit une union légale et durable dans les conditions de formation. Les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Monsieur Eric et Mademoiselle Bijou la reine, vous avez compris que c'est une longue définition. Que nous allons devoir simplifier en tirant trois éléments très importants dans cette définition. Premier élément, la loi dit un homme et une femme. C'est clair. Un homme, une femme. C'est pour vous dire qu'en République démocratique du Congo, on ne marie pas deux personnes de même sexe. L'homosexualité n'est pas autorisée en République démocratique du Congo. C'est illégal.
deuxième élément, il est dit que l'homme et la femme qui se présentent devant un officier de l'État pour contracter mariage civil ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'officier de l'État civil qui reçoit le couple en mariage se doit de s'assurer que ces personnes-là n'ont jamais contracté mariage civil auparavant. Parce que la loi interdit à l'officier de l'État civil de marier une personne qui a déjà contracté le mariage civil auparavant. La polygamie n'est pas autorisée en République démocratique, ni la polyamie. Un homme ou une femme ne peut pas contracter plus d'une fois le mariage civil. Si vous avez déjà contracté mariage civil auparavant, avant de vous présenter une seconde fois devant un autre officier de l'État civil, faut commencer par dissoudre le premier mariage. Monsieur Lusanga est en train de signer, papa, maman Simba, papa, son acte de mariage. Signé 1. Applaudissez pour monsieur qui vient de signer son acte de mariage. Merci de vous, monsieur. Madame. Thérèse, autant à mon camion, quota. Yes. Encadrez-moi Sinayo. Simbi Awa, numéro 2. Merci Naye. Je vote la bouquet, mais beaucoup à nous. Applaudissez pour madame. Madame, vous tenez de vous, vous allez directement à droite de votre mari. Bien à droite. À droite, quel est le oui. Christian! Boya, bisous, babi Zala, wana. Zala, wana, droite, y'a mobali na yo. Mene, papa, tout ça soit. Merci, restez-nous de vous. Madame, Karine, c'est vous. Papa, encadrez-moi, si na yo. Voilà, c'est exemple. Merci. Merci, laissez-moi venir à votre place. Mesdames et messieurs, applaudissez désormais pour le couple Lusanga. Je t'ai lavé moi pour Caroline. J'ai trop laissé. Vous la voix. Voix. Je vais vous la Mbamba, Eric Mbamba. La Suisse. Mais ça pas là. Waouh! Quand tu dis que tu es serré. Allez, tu es en train de Eric Mbamba. Eh, bisous à toi.
mon amour, mon cœur, mon cœur. Baki, n'a pas décevoir, y'a des petits mon colo. Monsieur le conseiller de l'État civil, à la tête de la République.